Bonjour mes amis. Oh, quel beau temps! C'est vraiment l'été qui arrive. Et l'été, c'est agréable, car il y a les grandes vacances. J'aime bien ça, moi, les vacances. Aujourd'hui, je sais que vous avez été très gentils. Des enfants ont fait des bouquets de fleurs, d'autres des paquets surprises. Mais oui, aujourd'hui, c'est la fête des papas. Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête, petit papa. C'est bien, gros ours. Je suis sûr que petit Louis et Mirabelle ont préparé une très belle surprise pour leur papa. Hop là, je vais vite voir ça. Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête. Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête. Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête. Regarde, gros ours, regarde la belle surprise qu'on a préparée pour notre papa. C'est un grand livre qu'on a dessiné tout seul pour lui, pour sa bibliothèque. Il est très beau. Voyons voir ça de plus près. Tu vois, mon ours, ça se passe dans le pays où vous êtes allé voir les dragons. Oui. Il y avait une fois une petite fille chinoise qui habitait dans une petite maison en papier chinois. Elle avait de belles robes en papier de toutes les couleurs. Et il y avait plein de fleurs dans son jardin. Tu vois, des rouges et des bleus. Celles-là, c'est moi qui les ai dessinées. Mais un jour, son papa était malade. Il était très malade. Et le docteur est venu le voir. Le pauvre homme. Le docteur lui a dit, « Monsieur, vous êtes bien malade. » C'est pas les oreillons et c'est pas la jaunisse. Mais vous êtes très malade. Alors, la petite fille qui était triste est allée... Bah, regarde comme elle est triste, nounours. Oh, la pauvre petite chinoise. Pour faire plaisir à son papa, elle est allée chercher toutes les fleurs de son jardin. Et elle en a fait un beau bouquet. Et il les a données à son papa. Et son papa, il s'est guéri. Et on a appelé ce jour-là la fête des papas. Oh, c'est vraiment une très belle histoire. Et votre livre est magnifique. Votre papa va être bien content. Tu sais, nounours, quand notre papa viendra nous embrasser dans notre lit avec notre maman, eh ben on lui dira « Bonne fête, papa !» Bonne fête, papa. Bonne nuit, les enfants. Dormez vite. À demain. Bonne nuit, nounours. À demain. Petit Louis et Mirabelle sont vraiment très gentils. Et leur papa doit être content. J'espère que vos papas à vous, eux aussi sont contents ce soir. Bonne nuit les enfants. Embrassez encore bien fort votre papa et aussi votre maman. Et allez vite vous coucher. En route, nounours. Bonne nuit. À demain. À demain. Bonne nuit.